De 1998 jusqu'à 2006, le breakdance était jugé par la puissance technique de l'adversaire. C'était l'âge d'or du power move et des trickseurs. Les b-boys se sentant rejetés et créèrent le flow breaker, dont la force est basée sur la musicalité et la fluidité des mouvements. Ceci eut de lourdes conséquences sur le jugement dans le breakdance. Les premiers à avoir été éliminés par les flow breakers furent les power moves. Face à cette situation, nous avons créé Breakbender afin de rétablir la justice et l'équilibre. Nous ne sommes pas juste des danseurs ou des breakers. Nous sommes dits breakdancers.